Je vais mettre du persil. Du basilic. Une pincée. Hein. Dépendamment de votre goût, à vous autres aussi. Et là, j'en ai trop dans ma main. Là. Des épices italiennes. Et maintenant, on va le rouler. On va essayer de le rouler le plus serré possible. Et on va faire ça pour toutes les steaks. Moi, présentement, j'en ai 6. Et de 1. On va faire de même avec celui-ci. Brachib, hein? En tout cas, vous dites. Montréal, si vous savez qui vous êtes, mes amis, hein? Si je ne le prononce pas correct, laissez-moi un commentaire en bas. Puis la prochaine fois, je vais savoir comment le prononcer. Fait que moi, je vais continuer. Je vous reviens quand j'ai fini. Je ne vais pas vous passer au travers de toutes mes steaks. Là. Vous avez vu, je vous ai démontré deux steaks, comment les rouler, comment les préparer. Fait que quand j'ai fini de les rouler, je vous reviens immédiatement. Ben, bonjour! Comme vous pouvez voir, j'ai fini de rouler. Si vous avez peur qu'il se déroule lors de la cuisson, vous pouvez toujours mettre des cure-dents ou bien l'attacher avec un fil de boucher. Comme ça, non, vous allez être certain qu'ils ne se défront pas, qu'ils ne se dérouleront pas lors de la cuisson. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai mis un petit carré de beurre. Et je vais rajouter de l'huile pour pas que mon beurre brûle. Comme que je fais dans toutes les recettes italiennes qu'on m'a apprises, je vais mettre mes gousses d'ail, mais je ne mettrai pas dans ma sauce. C'est juste pour donner du goût lors de la cuisson. Et je vais mettre les oignons. On va se prendre un petit peu. Et puis on n'attendra pas longtemps parce que je ne veux pas que les oignons brûlent non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais immédiatement introduire ma viande avec les oignons. Essayez toujours, moi j'essaie toujours de faire cuire, lorsqu'on a fini de le rouler, le base qui est roulé. Comme ça, si lui est cuit en premier, il y a moins de chances qu'il se déroule. Pendant ce temps-là, j'ai quand même ma sauce à tomate vraiment au minimum pour la faire chauffer. Comme ça, lorsque les brochettes vont être prêtes, je vais l'introduire dans ma sauce à spaghetti, ma sauce à tomate. Donc, on les fait bien cuire. Et une fois c'est terminé, je vais vous revenir et puis on va continuer la recette. À tantôt. Donc, rebonjour, ça fait 2 heures que ma sauce est en train de cuire, justement avec la viande. Pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des pâtes, j'ai fait du spaghetti, je l'ai étendu. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de parmesan par-dessus, juste un petit peu comme ça. Je vais prendre un peu de sauce. Si seulement vous pourriez sentir à la maison, ça sent très 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 bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu de sauce. Je vais l'étendre dessus. Et je vais prendre les brochettes
Je vais juste rapprocher mon plat parce que je vais en mettre partout, je me connais. Comme ça. Je l'ai fait 5. Donc, je ne sais pas si je vais en trouver 5. Mais je pense que mon plat va être juste capable d'en prendre 4 de toute façon. Et voilà. Je vais juste en mettre 4 parce que la cinquième va tout faire tomber. Je vais juste reprendre un petit peu de sauce. Je remets du parmesan. Un peu de mozzarella. Et pour donner un peu de couleur, un peu de persil. Et voici mes bréchelles. Donc, si vous avez aimé ma recette, pesez, cliquez en bas sur le pouce vers en haut. S'il vous plaît, continuez à me suivre en vous inscrivant à ma chaîne et vous allez recevoir quotidiennement, chaque fois que je fais une recette, un avis comme quoi qu'une nouvelle recette qui est sortie. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, mettez-les en bas, c'est toujours bienvenu. C'est de la seule façon qu'on peut s'améliorer. Et donc, mes amis de Montréal, n'oubliez pas, si je ne prononce pas bien, bréchelles, dites-moi-le dans les commentaires. Je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois. Donc, faites attention à vous et qu'en avez-vous.